Salut à tous et bienvenue dans la suite de ce Let's Play de Zelda Twilight Princess. Cette fois-ci, nous avons un nouvel objectif, la montagne des Gorons, pour accéder au deuxième temple. On va y aller tout de suite. Par curiosité, on va quand même parler aux enfants. Les enfants nous donnent juste notre objectif. Étant donné qu'on nous demande d'aller à la montagne des Gorons, on va aller à la montagne des Gorons. Voilà donc l'entrée de la montagne. Éviter de tomber, déjà, c'est une chose. Allez, on remonte. En fait, le but est d'appuyer sur A et de rester appuyé sur A pour maintenir le Goron et pour l'arrêter. Apparemment, j'étais trop près du bord. Je pense que je peux pas le faire tout de suite. My favorite package with one cup. Must be any recept may come. Je sais plus si c'est maintenant ou plus tard. Il y a quelque chose à faire, je sais plus. Bon, et non, je pense que c'est maintenant, on va aller vérifier. Je vais pas vous dire quoi, parce que si jamais c'est pas ça, je risque de vous spoiler. Ce qui n'est pas une très bonne idée. Ce que je pensais, on a quelque chose à faire dans notre village originaire, donc le village de Toll. On va y retourner. Alors ici un mini-jeu assez particulier, on doit essayer de calmer Epona en faisant ce qui est indiqué en poussant le stick à gauche ou à droite dans la direction de l'autre. Il faut être assez réactif.
Voilà, donc maintenant nous avons récupéré Epona, le chemin vers le village sera plus rapide. D'accélérer, sinon on ne passe pas la barrière. Alors, petite chose que je n'avais pas pu vous montrer, c'est que quand on est sur Epona, Marie va à tuer les monstres rien qu'en leur marchant dessus. Je ne veux pas que ce soit des monstres trop gros, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, vu qu'on vient de recevoir une lettre, on va tout de même la lire. Lettre de Baba. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas, Baba, c'est l'espèce de poule qu'on avait trouvé dans le temple sylvestre qui nous permettait de nous déplacer. C'est génial d'être à deux de cheval, parce qu'on peut vraiment avancer sans avoir peur. N'allez pas trop vite non plus avec Epona parce que la barre en dessous se recharge doucement. Si on la vide totalement, je pense que Epona arrête tout simplement de mourir. Alors le village n'est plus très loin. Voilà. Nous sommes arrivés à la maison en quelque sorte. C'est la maison. Je me tromperai toujours de côté dans ce village, c'est hallucinant. Alors, nous allons donc chez Bodan qui se trouve ici. Thank you.
Alors ici donc, un mini-jeu assez spécial dans ce Zelda qu'on n'avait jamais vu avant, c'est un mini-jeu de sumo. C'est pas bien compliqué en soi, les bases sont faciles, mais il y a quand même quelques difficultés. Puis voir Link faire du sumo, ça n'a pas de prix. Alors, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur A pour foncer et sur B pour donner un coup pour le déstabiliser. On peut aussi esquiver à gauche ou à droite. Alors le plus simple c'est... Enfin, le plus simple, non c'est pas le plus simple, mais le plus pratique serait d'appuyer sur A dès le début du combat pour foncer directement sur notre ennemi. Alors parfois ça arrive, on se fout des claques tous les deux. Combat d'autiste, c'est magnifique. Ah mon dieu, mes doigts. Voilà. Ah, je sens plus mes doigts. Alors, Bodamiku fit donc son fameux trésor. Voilà, donc nous avons les bottes de fer. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé cet objet, on va pouvoir passer à la montagne de la mort. Déjà les assigner. Alors juste pour vous montrer, hop, les bottes, c'est ça. Quand on les a au pied, on est très 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 lourd. De toute façon, pour l'instant, on va pas me ralentir, ça ne sert à rien que je les mette. Donc on va retourner à la montagne. Cette fois-ci, avec les bottes, on ne tombera plus. Je me suis encore trompé de chemin. Je confonds ma gauche et ma droite tout le temps ici, je sais pas pourquoi. Ailleurs ça va, mais ici je confonds. Quand on passe sur les herbes avec Epana, ça les coupe et on récupère automatiquement ce qui se trouve. Mais où est-ce que je vais? À
Ah oui, pardon. J'aime beaucoup le graphisme ici, on dirait plus de l'ambre que crépuscule. Moi je trouve ça joli, bref. Donc là on peut déjà voir le sommet de la montagne. Cette fois-ci, on ne va pas le lâcher. Nous allons faire notre premier combat à cheval. C'est ça. Enfin, en soi, c'est ça. Il suffit de s'approcher le plus possible de l'entrée. Et là, je peux sur la foire. J'ai voulu aller trop vite avec les pommes. Le chien.
foncer devant, l'éviter, enfin l'esquiver ici, donc voilà, on tombe. Exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je l'esquive au dernier. Et c'est toujours pas bon. J'ai jamais réussi à le faire ce truc, même, même sur Wii, j'avais du mal. Ah. Je vais mourir. Au revoir moi. C'est pas grave. Logiquement, on reprend sur le pont. Oui, on reprend sur le pont. Voici, on évite de crever. Raté. Mais au moins, je suis pas tombée. Il y a du progrès. Tourne-toi. Ah, oh, c'est pas vrai ça. Voilà. Voilà. Je l'ai quand même tout réussi du premier coup, ça serait pas bon. Voilà. Image épique pour finir. Voilà, maintenant nous sommes parés pour affronter les dangers de la montagne de la mort. Mais tout ça, nous le ferons dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !